Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un haul Shein. Un big haul Shein, même je dirais, parce que là il y a deux colis assez balèzes. On va vous montrer ça. Alors voilà le premier. Voilà, et... la bête. Et le deuxième, voilà, il déborde. Ah. Qui est là, voilà. Alors, on les a ouverts parce que du coup, on avait besoin de prendre un ou deux petits trucs dedans, parce qu'on dit on avait besoin pour l'école. Du coup, voilà, mais sinon tout le reste, on n'a pas encore ouvert. Et ça fait quand même quelques jours qu'on les a reçus, donc on était pressés de faire cette vidéo et voilà, de pouvoir tout vous montrer. Et ben c'est parti, on commence. Avant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner sous la vidéo si c'est pas encore fait et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la sélection. Tu commences par celui-là ? Allez, vas-y. Ça, vas-y, si tu veux. Bah, on va prendre dans l'ordre hein, parce que sinon. Des jolies serre-têtes en perles. Il y a des lapins, un cochon, un nounours et un chat. Un cochon? À quoi tu vois que c'est un cochon? Les oreilles. Ah bon? Et de où les oreilles? Regarde. Et là? Allez, sortir, toi, ça, comme ça, vous allez voir. Le chat? Non, je les mets. On va voir ce que ça donne. Le panda nounours? Moi, je le mets comme ça, par contre, parce que sinon, ça va me décoiffer. Voilà. Le cochon? Ah ouais, c'est les oreilles de cochon, ouais. Et le lapin? Ah, ils sont super jolis, hein. Ils sont trop beaux. Moi, je suis plus lapin. Et moi, je regarde la vidéo, je peux les garder le temps de la vidéo. Ouais, regardez, en fait, c'est des petits cœurs. C'est trop mignon. Jure, c'est des cœurs? Ouais. Ah non, j'ai des boules. Ah oui, toi, c'est des boules, moi, c'est des cœurs. Ils sont trop beaux. T'as des cœurs, là, c'est des boules, et après, ouais, c'est des... Ah oui, c'est des boules, il y a que celui-là, c'est des petits cœurs. Ils sont trop mignons. Parce qu'on aime bien les chats. Allez, ensuite. Il y a beaucoup de choses, donc on va passer assez vite quand même sur chaque article. C'est quoi? Alors, ça, de toute façon, je vous montrerai pas mal d'articles en fait dans une autre vidéo que je consacrerai uniquement au make-up. Mais ça, en fait, c'est pour faire les sourcils, je pense que vous connaissez. C'est, tu le tiens comme ça et après tu ouais, mets le crayon. C'est ça, c'est des pochoirs à sourcils en fait. Bon, je voulais essayer parce que je trouvais que c'était un petit peu what the fuck quand même comme objet. Et je me suis dit, bon bah, à tenter, à voir ce que ça donne, mais pourquoi pas. Tout. Ah oui, parce que ça c'est toute la partie maquillage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous spoiler. J'ai commandé tout ce qu'il faut sur Shein en maquillage pour faire un make-up complet. Et je vais vous sortir bientôt un maquillage complet Shein pour voir ce que valent ces produits. Donc les produits maquillage, on va les passer. Je vais les mettre de côté. Voilà. Ça aussi? Bah non. Ah bah non, c'est quoi ça? Ah oui, non. Ça, alors ça c'est les boutons. Ouais. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas, de toute façon, vous aurez le lien des articles en barre d'infos, mais en fait, vous avez un petit rond en haut et un petit pic en bas quand vous avez les petits boutons. Ça évite de trifouiller avec les doigts parce que déjà, c'est pas propre au niveau de l'hygiène. Et puis, ça évite de se charcuter, quoi. Voilà. Aussi, maquillage. Ouais, ça aussi. Ah, ça, c'est super bien. Alors, comme ça, ça n'a pas rendu du tout. Je vais vous mettre la photo juste là. En fait, il faut ranger les chaussures, enfin, les baskets ou les œufs de carpin. Et ça permet, en fait, au lieu de les mettre à côté, d'en mettre une en dessous et une au-dessus. Donc, c'est un vrai gain de place. J'en ai pris 5. Voilà, ils sont là. Mais je vous montrerai ce que ça donne, mais ça, je pense que c'est super pratique. Ça, ça passe après. Maquillage. Ça aussi. Oh. Ah bah ça, on peut regarder, si tu veux. Alors ça, je l'ai commandé parce que je l'ai trouvé trop mignon. Puis pareil, quand on fait les vidéos make-up, ça permet d'avoir un joli miroir. Attends. Ah, je le voyais plus gros, tiens. Oh. Mais il est beau. Il est magnifique. On dirait qu'on a des manoirs. Je sais pas si vous avez compris, mais... Ici, les décorations dans les manoirs. On dirait des décorations de manoirs, voilà. Admirez-vous. Il est beau, hein. Il est super joli. Par contre, il est vraiment pas grand, regarde ce que ça donne. Bah ça va. Ouais, faudrait pas que ça soit plus petit quand même. Hein. Au niveau de la taille, à côté de mon visage. Bon, c'est pas, ça suffit. Ouais. Tiens, c'est aussi maquillage. Ok. Ah, c'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous parce que la vidéo maquillage Shein, vous allez voir qu'il y a quand même du lot et ça va être sympa. Ça, c'était un petit truc surprise pour toi. En fait, j'ai fait une commande et du coup, vu qu'elle n'a pas accès au compte Shein, en fait, du coup, bah... Elle sait pas ce que j'ai commandé. Je le trouvais tellement mignon que j'étais sûre qu'elle allait adorer. Oh, il est trop canon. Il est joli, hein. Oh, mais c'est fourruté en plus. C'est quoi Comment
on dit c'est fourrouté. Il y a de la fourrure, quoi. C'est fourrouté, elle a dit. C'est fourrouté. Voilà le mot. Si vous avez bien entendu ce mot-là, marquez-moi fourrouté en commentaire. Parce que alors là, ce mot-là, je crois que ça sera la seule vidéo de tout YouTube où vous allez entendre ça. Ah bah, je vais essayer. Bah oui, on va faire les essayages après, t'inquiète. Ouais. Allez, suivant. Ensuite. Alors, Angie, qu'est-ce que tu penses du haut? Bah, franchement, je suis étonnée parce que je pensais qu'il allait être un peu grand. Ouais. Mais en fait, ça va. Il est beau, hein? Ouais, il est trop trop beau. Il va très bien en plus, hein. Il taille super bien. Il est ni trop crop, c'est-à-dire qu'on là avec le jean taille haute, et bah finalement on voit pas grand chose. Donc moi ça m'arrange qu'on voit rien. Mais ouais, il taille très bien. Les petits motifs sont super jolis. Puis voilà, c'est original. Ce côté, c'est un peu patchwork. Ouais, mais c'est... moi j'aime bien ça. Ouais, les petits foufous là. Bon bah stop, combien tu lui donnes? Sur 10. Ouais. 10. 10. Et bah allez, validé. Ouais. Ah. Ça, tu l'attendais, hein? Oui. Oh. Elle est trop belle. Ah, elle est jolie, hein? Ah, maintenant, j'espère que la taille, ça va aller. Bon, bah, c'est une veste un peu. Enfin, c'est une surchemise un peu motif bûcheron à carreaux. Ouais, par contre, elle pue, hein? Oh, pourquoi ça pue, hein? Ça, c'est les fringues chines, c'est chiant pour ça. Non, des fois, ça pue, des fois, ça va. Des fois, ça va, mais. Ouais. Par contre, elle est vachement fine, hein? C'est pas un manteau, hein? C'est vraiment... Oh, c'est joli. Ah, mais tu vas faire l'essayage tout à l'heure, de toute façon. Quand même. On vous mettra l'essayage, bien sûr, tous les essayages au fur et à mesure. Mais... on vous mettra des lapins, là. Tu vois, bah, donne. Ah, oui. Alors déjà, c'est qu'est-ce qu'on a pris en taille? On a pris une taille S. Ouais, pour vous montrer un peu tout ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment des motifs carreaux comme ça, mais c'est, la matière est très très fine. Je pensais que c'était un peu plus épais que ça, quand même. Mais bon, voilà, en surchemise... ça fait son job. On verra mieux ce que ça donne porté sur la demoiselle. Moi. Alors, voilà pour la petite surchemise. Donc, elle est trop belle, hein? Elle est belle. Elle est magnifique. T'as emballé? Hein? T'as emballé, ça va? Ah oui. Ouais. Donc la longueur, ça va. Elle arrive quand même, tourne-toi. En bas des fesses. Voilà, c'est vraiment en bas des fesses. Hein. Et Angie, elle fait... elle doit faire maintenant quasiment ma taille. Hein, un mètre... plus que ça. Tu dois faire un bon 1m55, hein, maintenant. Voilà. Donc quand même, elle est bien longue. Est-ce qu'elle est agréable à porter? Elle est agréable, par contre, elle est un peu fine. Ah oui, mais alors, ouais, pour maintenant, elle est un petit peu fine. Ouais. Soit à porter avec quelque chose par-dessus. Oui. Voilà, avec un petit manteau. Ou alors en dessous, mettre un gros pull. Ah, j'aime pas trop. Non? Ouais, sinon, tu l'as pour le printemps, là, il y a les beaux jours qui vont arriver. Hein. Mais même moi, franchement, j'ai juste comme ça, moi. Ouais. Moi, après, moi, ce que je fais, c'est que je prends un manteau. Pour partir, je le mets. Et après, je le laisse... je les laisse dehors. Quand la journée il fait un peu plus chaud, quoi. Voilà ça. Voilà. Et puis il y a des jolis boutons, regarde, avance-toi. Donc la veste est noire et blanche et un peu grise et les boutons sont en bois comme ça un peu. Enfin, il y a un petit peu de marron dedans, donc c'est joli, ça rajoute un petit détail sympa. Ouais, on peut dire ça. Puis la matière est très très jolie, enfin très, en tout cas elle est de très bonne qualité, il n'y a aucun fil qui dépasse, même de derrière au niveau du col, il y a... enfin voilà, c'est une très jolie petite chemise. Elle te plaît? Oui. Elle est validée aussi? Oui, sur 10, oui. Sur 10. Impeccable. Ça, maquillage ou pas? Non, c'est bon. Ah oui, ça, on voulait essayer. C'est un recours de cils chauffant. Donc ça, j'avais vraiment trop envie de tester. À la base, en fait, ils en font pas mal sur Wish AliExpress avec, en fait, une brosse type mascara un peu. Donc vous avez vraiment qu'un côté avec des petits picots. C'est chauffant, vous posez comme ça et c'est censé recourber vos cils. Mais sur Shein, ils en ont pas. Donc... voilà, je l'ai pris. Bah, ça a vraiment comme ça, la forme d'un recourbe-cils, sauf qu'il est chauffant. Donc, bon. Pourquoi pas, on essaiera et puis on verra, je vous dirai en update, en barre d'infos, si c'est efficace ou pas. Parce que si ça marche, ça peut être un truc sympa. Mais pour le prix. Ça, c'est un mois. J'ai trop galéré à les avoir. C'est mes bottines, je suis sûre. Par contre, pourquoi je les vois noires alors que je les ai pris, mais là, ça... ah, c'est bon. Elles sont trop belles. C'est le modèle qui est là. La beauté. Wow. Regardez ça. Elles sont canon. Trop, trop belles. Mais j'ai eu un mal fou, mais vraiment, à les avoir, elles étaient out of stock tout le temps. Ou alors, vraiment, elles étaient en stock en 39, 40, 41. Et moi, je suis entre le 36 et le 37, donc là, j'ai pris quoi? Oui, 37, parce que ça devait être ce qui restait. Il est plus grand qu'elle. Voilà, mais regardez-moi cette beauté. De toute façon, je les porterai tout à l'heure, mais elles sont juste... canonissime.
Ok. Une suite. Je suis trop pressée de les mettre. Moi aussi. Alors, voilà pour ces petites bottines. Et bah franchement, c'est un gros, gros coup de cœur. Alors déjà, le 37, il va impeccable. Je suis vraiment contente de ne pas avoir pris plus petit. La coupe est parfaite. J'adore la couleur. Non mais le beige est vraiment juste trop, trop beau. Le daim est vraiment de très, très bonne qualité. Alors, je sais pas si je pense que c'est pas du vrai daim, bien sûr. Mais la qualité est impeccable. Le talon, en fait, la hauteur, il paraît quand même assez haut comme ça. Mais elles sont très, très confortables. Là, je sais que je pourrais marcher avec pendant un petit moment sans vraiment avoir mal aux pieds. Puis j'adore vraiment ces chaussures. La coupe qu'elles ont, la forme, la taille, enfin, voilà, je les adore. Là, je les porte avec le jean un petit peu dessus, enfin, normalement. Et là, c'était vraiment pour vous montrer au niveau de la chaussette, en fait, ce que ça donne. Et alors moi, j'ai une cheville normale, hein, ni très très fine, ni très très grosse. Et ça sert pas du tout, c'est ni trop lâche, c'est-à-dire qu'elle tombe pas, elle se tient. Mais j'ai quand même la place pour passer ma main, donc ça sert pas du tout. On peut mettre un jean par-dessus sans problème. Et ça serait aussi très très joli avec une petite jupe, avec un short, avec enfin, voilà, une robe, avec un jean. Ça se porte avec tout. Ça c'est quoi? Je sais pas. Il y a plein de trucs, je me rappelle même plus ce que c'est honnêtement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais ah oui! Ça y est! C'est un ensemble. De toute façon, vous aurez la photo juste là ou là. Enfin, je sais pas où il y aura de la place. Mais voilà, c'est un petit ensemble, mais trop mignon que j'ai trouvé sur le mannequin. Oh mon dieu, transparence! Ouais, mais il y a un petit. Vous avez un petit gilet en fait, comme ça. Donc, vous me voyez derrière, donc il est quand même un peu transparent. Vous avez derrière le petit coin. Oui, il faut pas. Faut juste pas avoir des gros nénés. Voilà, vu la taille du truc, regardez la taille des. La taille qu'il y a pour les mettre les boops. Et même, c'est transparent, regarde. Ouais, c'est vraiment tout petit. Hein. Regardez à côté de ma main. Ma main, elle dépasse. Hein. Mais c'est pas grave, au pire, vous mettez un petit top noir en dessous, ça fait très bien l'affaire. Et ça aussi, c'est bien transparent. Et le pantalon, ouais, mais il est pas transparent partout en fait. Ah, je sens que je vais le mettre, c'est ok. Il y a une doublure, j'espère que vous allez le voir. Non, oui, là, ici. Regardez. Là, on voit plus. Et là, on voit. Ouais, ça rend pas très bien. En fait, vous avez une doublure qui s'arrête ici. Vous voyez, je sais pas si vous arriverez à voir. En bas des fesses. Regardez. Voilà. Il y a la doublure. Et là, c'est le pantalon. Ce qui fait que ça donne un effet de transparence en fait qui s'arrête un peu plus bas que les fesses. Et donc, on voit en fait que le bas des jambes. Et bah, en tout cas, sur le mannequin, ça faisait super joli. Donc, on verra ça. On verra ce que ça donne porté. Alors ce petit ensemble, bah écoutez, je le trouve très joli. Vous voyez l'effet de transparence dont je vous parlais tout à l'heure, là on le voit vraiment bien. Donc vous voyez vraiment qu'il y a la doublure en fait qui s'arrête ici. Donc je trouve ça vraiment vraiment joli, ça fait un super bel effet. Le petit gilet est transparent également. Vous voyez, on voit vraiment le petit top en dessous. Par contre le top, voilà, il est mini mini. Parce que moi j'ai déjà pas une grosse poitrine. Et bah en fait il n'englobe même pas ma poitrine avec le soutien-gorge, hein, il dépasse en haut. Il dépasse au niveau voilà, d'en bas. Et là, donc du coup, sans soutien-gorge, ça serait pas top du tout. Mais ça me dérange pas. Je sais qu'en dessous, je pourrais mettre un autre petit débardeur. Même, pourquoi pas, d'une autre couleur. Ça pourrait voilà, rajouter un peu de peps. Et voilà, encore un petit problème aussi, c'est au niveau de la longueur. Mais ça, sur Shein, c'est quand même assez souvent que les pantalons sont très longs. Donc voilà, sachez que si vous faites ma taille ou moins, moi je fais 1m60, là vous avez bien, je sais pas si vous allez voir, vous avez bien 15-20 cm à enlever. Là je l'ai mis avec de ce côté là pour vous montrer en fait avec une paire de bottines à talons. Et vous voyez, il tombe, il dépasse même du talon de la bottine. Voilà, donc là la longueur qu'il y a. Hein. Mais bon, c'est pas grave, un petit tourlet rapide et je pense que ça va être impeccable. En tout cas, il est de très bonne qualité. Il est vraiment super joli, super agréable à porter. Et ça, je sais que pour cet été, voilà, je vais le porter parce que je trouve que c'est super stylé, super original. Donc, voilà. Je le garde et puis de toute façon, c'est clair que je vais le mettre. Ensuite, on passe à un truc, je sais absolument pas ce que c'est. Ah, si, moi je sais. Donc, on passe à du make-up. Okay. Ensuite, ça aussi. Allez, non, c'est emballé de chez emballé. Hein. Regardez. Bizarre. Ok. C'est super bien protégé en tout cas. Ah, trop bien! Ah oui, je sais que c'est. C'est trop trop bien. Bah on va l'ouvrir. Hein. Ouais. C'est un comme une ring light en fait, vous savez, que vous cliquez sur le portable
J'avais super super envie d'essayer ça. C'est vrai qu'on en a une grosse, même deux grosses, mais du coup la toute... Non mais elle doit pas être chargée je pense. Ah c'est ouais. Essaye de la clipser sur le tien pour voir. Mon téléphone. Voilà. Putain. Et en fait... Ça va? T'as envie, envie? Merde. Pour faire des photos, il y a le... On laisse ici le truc. Dan, prends le relais. Bah, tu vas aller boire un coup d'eau? Ouais. Vas-y, va boire. Donc voilà, en fait là vous avez vraiment la ring light ici, mais après vous pouvez le faire des deux côtés. Donc soit vous, la lumière elle va sortir d'ici, soit vous le faites en mode selfie. Mais sinon, ça marche aussi bien de l'autre côté. Voilà, et vous faites comme ça. Voilà, vous prenez votre photo, si vous voulez faire par l'auto-objectif derrière, ça marche aussi. Voilà, bon, bon voilà. Ah non, c'est même pas à chargement, c'est à pile. Oh, le truc il est pété. Aïe. Ben non. Si, regarde le petit téton là, il est cassé. Un petit téton. Non mais c'est vrai. Ah bah super hein, le truc. Non mais il était pas tout à l'heure. Il était tout à l'heure. C'est toi qui l'as pété? Bah non maman, voyons. Bon c'est pas très grave, ça empêche pas de l'ouvrir, mais ça marche à pile. Voilà. Bon bah ça peut être sympa, on essaiera. C'est bon, y'a plus rien? Si. Si. Tiens, mais après, maquillage. Ouais mais après c'est que du make-up. Ah non, je suis pas sûre. Tu sais, je pense que c'est que du make-up. Ouais. Ouais, c'est que le make-up après. Il y en a beaucoup du maquillage hein, donc ouais. Y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet chez complet. C'est bon, il y a que du maquillage, donc laisse-le dedans. Du coup, c'est bien. Allez, on passe au deuxième colis. Il est où? Bah, je sais pas. Il est là. Allez, vas-y, tu le fais. Ouh. Zip. C'est ton jean. Ça à toi? C'est un jean pour toi. Ah bon? Ah bon? Elle prend des trucs, je sais même pas que ça existe. Il est beau. Hein. Il est beau, non? Oh, aimé. La taille, elle est grave fine. T'as vu? Il est super joli, hein? Il est canon. Alors, c'est quoi comme taille? XS. XS. Je rentre dans XS, moi? Bah oui. Ouais, d'accord. Il a par contre la matière, je suis assez surprise. C'est jean. Mais elle est quand même assez épaisse pour un jean de chez Shein. Il a l'air de bien tailler. Au niveau des détails, franchement, c'est un jean que vous pouvez facilement trouver chez H&M, je pense, ou chez Zara. Même au niveau de l'arrière, vous voyez les petits détails effilés partout. Les fesses. Non, niveau qualité, franchement, je suis assez étonnée là. Étonnée. Bon, bah, avoir porté, mais je le trouve vachement beau. Hein. Je pense qu'il va bien t'aller. Ah, bah, j'espère. Alors, qu'est-ce que tu penses du jean? Bah, il est joli, hein. Ah, il est super beau. Ouais. Il te va grave bien. Tourne-toi. Alors, niveau des fesses, impeccable, rien à dire, ça taille bien. Et la qualité, qu'est-ce que t'en penses? Sur 10, ouais. 9. 9 sur 10? Après, la qualité sur 10, la qualité 9. Et sur le jean en tout. Ouais. 10 aussi. 10? Ouais. Et franchement, je trouve qu'il va super bien. Au niveau de la longueur des chevilles, il est bien aussi. Ouais, à la fin, un petit tourlet parce que ouais. C'est plus stylé en plus. Mais il taille parfaitement bien et je trouve qu'il est de très très bonne qualité. Il est quand même bien épais pour un jean de chez Shein. Donc. Elle est portée avec une petite ceinture et son petit crop comme ça fait mignon. Hein. Voilà. Allez, alors on valide le jean? Oui. On valide. C'est ça toi? Ouais, c'est un pull. Oui, je sais, je commande des pulls alors qu'on arrive au printemps, mais... Déjà, ça fait au moins 3 semaines que j'ai passé la commande, donc j'ai une excuse. Quand j'ai passé la commande, il faisait froid. Et je l'ai trouvé trop joli. C'est pas une excuse, maman. Bah si, c'est une excuse. Hein. Bah non. Alors, est-ce qu'il y a la taille déjà? Non, il n'y a pas d'étiquette, mais j'ai dû prendre en taille S, celui-ci, je me rappelle. Alors, hop, voilà, c'est un pull rayé comme ça. Oh, tu m'as mis dans la tête. Et j'adorais les couleurs. Vous avez du camel, vous avez du beige, vous avez du marron, du beige encore plus clair. Et pour mettre avec, vous pouvez mettre avec plusieurs couleurs de chaussures et tout. Donc, voilà, je le trouvais super beau. Il a l'air assez doux, pas l'air de gratter. Donc, ok, pourquoi pas. Avoir porté aussi. Voilà pour le pull. Bah écoutez, il est très joli. J'aime bien ce côté manche quand même bien bouffante sur le bas. Vous voyez, c'est quand même bien large. Mais je trouve que c'est joli. Le col ne sert pas du tout. La longueur est très très bien. De derrière aussi. Voilà. Là, je le porte avec un jean et des Santiago. Mais ça se porte un peu avec n'importe quoi. Et j'aime beaucoup voilà, ce dégradé de couleur. Je trouve que ça se porte vraiment avec plein de choses.
ça fait un joli effet. La matière, bah franchement, ça confirme ce que j'ai dit. Là, je le porte sans rien en dessous pour tester et il gratte pas du tout. Donc, je suis assez contente. Même si c'est vrai que je les porte d'habitude avec quelque chose en dessous, mais même comme ça, il n'y a aucun problème. Il est agréable à porter, donc nickel et il tient bien chaud. Hein. Là, ça fait pas longtemps que je le porte et voilà, j'ai déjà chaud. Donc, je pense que là, pour les quelques jours de froid qui restent, il va être bien utile. Ensuite, Là. D'accord. Ouais. Pas à toi. J'adore parce qu'elle dit, c'est à chaque fois elle dit ça à toi, mais en fait elle met mes fringues. C'est-à-dire que quand je commande des choses pour moi, vous croyez que c'est tout pour moi, mais non en fait, parce qu'une fois que c'est dans l'armoire, vu qu'on a une armoire commune, elle les met aussi. Bah non, c'est à toi, moi je mettrais pas oui, ça. Oui, à part la jupe, ok. Mais voilà, donc ça c'est une jupe longue, elle est trop belle. Elle est canon. Alors c'est une jupe plissée, vous voyez, donc, même le détail au niveau de la taille ici, c'est joli, vous avez des petits froufrous comme ça. Vous avez une doublure et les motifs en fait bah c'est pas facile à voir parce que c'est quand même bien plissé, mais voilà, c'est des petites fleurs comme ça. Ah. Donc vous avez du il y a du rouge, du vert, d'un espèce de violet, et elle est quand même assez longue, hein. Vous voyez, et il y a un effet, alors là vous le verrez pas, mais vous avez un effet de transparence sur le bas de la jupe, c'est à dire que en fait la doublure s'arrête là à peu près. Et même le plissage n'est pas le même, c'est à dire que là vous avez un plissage qui est quand même très très resserré. Et ici, ça fait un peu plus... Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez? Là, en fait, vous voyez ma main. Et là, vous la voyez pas. Bon, de toute façon, vous verrez ce que ça donne porter. Ça sera plus probant, mais elle est d'excellente qualité. Voilà. Et je crois que celle-ci, je l'ai eu vraiment pas cher. Donc, impeccable. Ah bah écoutez, j'aime beaucoup cette petite jupe. Hein. Franchement, elle est très mignonne. Alors là, je la porte avec un t-shirt et des baskets, mais je l'ai aussi... essayer du coup avec un pull et des bottes, et les deux vont très très bien. En tout cas, elle est très agréable à porter. Vous avez un côté un petit peu froncé là au niveau de la taille. Elle sert pas du tout. Voilà, elle est très fluide, très légère. Vous avez donc le voile comme ça dessus et la doublure qui arrive au niveau du genou. Donc vous voyez, vous avez un effet de... Là, je pense que vous ne verrez pas très bien, mais il y a quand même un effet de transparence là sur environ 20 cm en bas de la jupe. Donc, ça fait plutôt joli. Vous voyez ce que ça donne de dos. Mais non, franchement, j'aime... Vous voyez, quand je bouge, voilà, elle est vraiment... c'est très joli, en fait. Ça fait un... Je sais pas, c'est un joli tombé, un joli rendu. Moi, je sais que celle-ci, je vais la mettre, je pense, assez souvent là pour le printemps et cet été. Ensuite... Un à la fois, hein, c'est possible. C'est celui-là. Vous êtes le jette. Non, laissez tomber. Allez, on ouvre. On passe la seconde, hein, parce que sinon on va pas finir. Oh, je le mets trop en plus. Ouais, il est beau celui-là. Bah tu vois, ça c'est un truc que tu vas mettre aussi, donc... Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui, oui, oui. Donc c'est un petit... Un petit col roulé. Ouais, oh, la matière, elle est douce, hein. J'adore. Oh là là. Même oh là 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 là. Même la couleur, elle est super belle. Donc c'est un basique, hein. Tiens, tiens le col, Mimi. Voilà, donc c'est un petit col roulé comme ça, très sympathique. Bon, ouais, c'est un basique, hein. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ça dans sa garde-robe. Allez, ensuite. Alors, voilà pour le petit top. Bah écoutez, il est très joli, c'est un basique, hein. Voilà, c'est un col roulé beige, mais il est vraiment de très très bonne qualité. La couleur est très belle. La matière, elle est vraiment, vraiment douce. Franchement, à porter, c'est très agréable. Le col roulé ne sert pas du tout. Alors là, je l'ai replié, mais moi, j'aime bien le porter comme ça. C'est-à-dire que je le déplie et je le laisse, voilà, un peu froncé. Je trouve que ça fait plus joli, moins strict. Voilà, après, bon, c'est au goût de chacun, mais moi, j'aime bien comme ça. Alors, on voit quand même un peu mon soutien-gorge en dessous, mais en même temps, c'est un soutien-gorge noir, donc... Voilà, c'est normal. Avec un soutien-gorge couleur chair ou un soutien-gorge blanc, ça va être déjà, je pense, beaucoup mieux. Après, voilà, hein, c'est un col roulé. Ça va, c'est une couleur qui va avec tout. Il est de bonne qualité et il était vraiment pas cher. Donc, voilà, à avoir dans sa garde-robe. Alors ça, c'est une jupe. En fait, elle était en quand j'ai passé ma commande, elle était en vente flash. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Shein, vous avez bien sûr les articles qui sont sur le site tout le temps au même prix. Et chaque jour à 20h, vous avez des ventes flash, donc des articles en fait qui sont après complètement cassés. Et cette jupe, bah voilà, moi elle était en vente flash et je l'ai eu, voilà, je vous mettrai le. De toute façon, à chaque fois vous avez les prix, mais je crois que je l'ai eu vraiment, vraiment pas cher.
Donc c'est un effet piton comme ça. Et pareil. Et là on voit la doublure. Voilà, là vous voyez bien en fait la doublure s'arrête là et tout l'effet de transparence sur le bas de la jupe. Et pareil au niveau qualité, honnêtement je suis assez bluffée par Shein en ce moment parce que il n'y a pas un fil qui dépasse, rien du tout. La jupe elle est quand même vraiment épaisse donc non je suis vraiment vraiment contente. Ok. Et bah, elle est très jolie cette petite jupe. Franchement pour le prix que je l'ai payé c'est assez incroyable parce que la qualité est vraiment dingue. La matière est très fluide, très légère à porter. Là je la sens même pas. Enfin le tissu je le sens pas. Alors elle est un chouïa mais vraiment un tout petit peu serré au niveau de la taille. Mais bon c'est largement portable comme ça, ça me dérange pas. Doudou voilà comment ça donne. Elle est très jolie aussi. J'aime beaucoup ce côté en transparence en fait sur le bas de la jupe. Vous voyez la doublure s'arrête en haut du genou. Puis voilà donc je trouve que ça rajoute un petit effet très sympa. Là je la porte ici avec des baskets et là avec une petite paire de bottines noires. Et je trouve que les deux vont très bien. Vous pouvez même la porter avec une paire de bottes par exemple qu'on verrait en transparence là jusqu'au genou. Ça ferait très joli aussi. Donc ça c'est une jupe que je vais mettre je pense assez souvent c'est sûr parce qu'elle est très très belle. Ensuite. Alors ça je crois que je me rappelle ce que c'est. C'est un jogging. What? Que tu vas mettre aussi. À mon avis. Ouais. Voilà. La ceinture, je l'ai trouvée vachement jolie en fait. C'est du. C'est du quoi? C'est du XS. XS 34. Donc vous avez la taille qui est complètement foncée sur le haut comme ça et c'est assez large. Hein. Ça fait quasiment la largeur de mon doigt. Donc en fait voilà, moi j'adore quand la taille est bien resserrée. Et on voit que c'est une taille bien haute parce que vous avez l'entrejambe qui est là. Vous voyez? Donc c'est ouais, c'est une taille qui est quand même qui remonte bien haut. Et vous avez également un élastique au niveau des chevilles, donc il est resserré. Et c'est un espèce de beige crème un peu, mais il a l'air vraiment trop sympa. Moi j'aime bien mettre ce genre de jogging avec des grosses bottes militaires, enfin des grosses boots militaires. Donc toi t'aimes pas mais moi j'aime. Alors voilà pour le jogging, et bah écoutez j'en suis très contente. J'aime beaucoup cette taille foncée là sur le haut. C'est vraiment très très joli, c'est très mignon. Il taille bien, il serre pas, vous avez quand même des grandes poches. Donc je trouve que c'est plutôt cool. La matière est très très agréable à porter. C'est plutôt doux, je sais pas trop ce que c'est comme matière mais franchement c'est top. Voilà il taille bien, il est ni trop large ni trop serré. De derrière, je trouve que c'est même plutôt joli. Pour un jogging, hein, y a des joggings qui sont pires que ça. Puis voilà, il est, en tout cas pour moi, il est ni trop serré ni trop large. Alors là, je le porte avec une paire de bottes militaires comme ça. Mais c'est aussi très joli avec une paire de baskets beige ou une paire de baskets noires. Là, je le porte avec un col roulé. Mais ça se met vraiment avec tout, hein, avec un gros sweat aussi, un peu crop. Ça peut être très sympa. Alors, il est quand même bien taille haute, hein. Parce que là, je vais vous montrer, mais mon nombril par exemple est ici et il remonte si je le porte correctement, voilà, quasiment à hauteur de soutien-gorge. Mais moi, j'aime bien le porter comme ça. Je trouve que c'est vraiment ça qui donne le style. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce petit jogging. Allez, ensuite, il y a encore un ou c'est bon? Encore un. Ah, dernier article. Ah ouais, cette jupe, j'étais trop pressée de l'avoir. Tiens. Trop belle. Alors en fait cette jupe je l'ai vue dans un haul sur YouTube et du coup bah, je l'ai vu la surprise parce que je la trouvais vraiment trop trop jolie. Hop, regardez-moi ça. Elle est trop trop belle. Elle est canonissime. Trop jolie. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur mais en fait c'est un espèce de marron, marron clair, satiné comme ça et bien plissé. Et au niveau de la longueur c'est pareil en fait, bah, elle est... Je dirais qu'elle doit m'arriver au niveau de la cheville à peu près. Et vous avez aussi la doublure qui n'arrive pas jusqu'en bas. Vous voyez, mais vous avez quand même une doublure assez épaisse en dessous. Voilà où elle arrive par rapport à la jupe. Voilà. Mais ça, porter par exemple avec un petit col roulé noir et des petites bottes, ça peut être très très joli. Voilà la jupe. Et bah, j'en suis complètement fan. Elle est super jolie. Franchement, le plissé est très très beau. Cette couleur un peu taupe comme ça, satinée, c'est très joli. Elle est d'excellente qualité. Vous avez la doublure en dessous là, qui s'arrête au niveau du genou. Donc elle est vraiment vraiment pas transparente du tout.
Et elle est mais super agréable à porter. Je la sens, mais alors pas du tout. Elle taille très très bien. La taille est, est élastique. Et du coup, ça, je vous ai pas dit en fait tout à l'heure, mais la ceinture en fait est vendue avec. Elle était dans le fond du sac, donc je l'ai pas sortie. Et vous avez vraiment la petite ceinture de la même couleur que la jupe. Le ceinturon aussi est de la même couleur. Et elle est avec. Vous avez les deux passants là sur la jupe pour la passer. Alors par contre, la ceinture est un petit peu longue, vous voyez. Il y a tout ça qui dépasse. Mais bon, vous la remettez comme ça en dessous dans le passant et voilà, ça choque pas du tout. Enfin ça c'est une jupe que je vais mettre assez souvent c'est sûr parce qu'elle est vraiment super jolie, ça se met avec tout. Là je la mets avec une petite paire de bottines noires donc ça fait plutôt joli mais ça va tout aussi bien avec des bottes ou avec des baskets pour moderniser un peu. Voilà avec un petit col roulé noir comme ça ou avec même un petit t-shirt blanc et des sneakers. Ça peut faire vraiment super sympa au niveau du contraste de style. Donc ça c'est une jupe que je vais mettre quand même hyper souvent c'est sûr parce que j'aime beaucoup beaucoup et la qualité est juste dingue pour le prix donc si vous aimez foncez, elle est canon. Bon bah voilà pour cette commande Shein, j'espère que les articles vous ont plu. Honnêtement je vais tout garder parce que voilà j'aime tout, je pense que vous l'aurez vu dans les essayages, en plus toutes les tailles sont bonnes. Donc on est absolument ravis de cette commande. De toute façon en ce moment je suis vraiment très agréablement surpris de Shein. Je trouve que vraiment plus ça va, plus ça améliore sur la qualité des articles. Au niveau des délais de livraison, il y en a un que j'ai reçu au niveau d'une dizaine de jours. Et l'autre a été un petit peu plus long parce qu'il a été retenu à la douane. Mais vous n'avez pas de frais de douane même s'il y passe puisque c'est Shein qui les prend en charge. Donc ça, c'est super cool. Voilà, bah écoutez, on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner sous la vidéo parce que ça coûte rien. Ça nous fait plaisir. Et comme ça, vous ne manquez pas les prochaines vidéos, surtout que la prochaine qui arrive. Alors, je ne sais pas si ce sera la prochaine. C'est la prochaine que moi, je vais tourner. Mais c'est une vidéo qui va arriver voilà, dans les jours ou les semaines qui a à venir. Donc, restez connectés avec nous. Oui. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des articles qu'on vous a présentés. Voilà. Oui. Alors, on vous dit à très vite et on fait comme d'habitude de... Gros bisous, ciao. Smoking outside, trying to get your attention.